Et salut à tous, Piou les amis. Donc j'en profite que la 1.9 de Minecraft soit sortie. Enfin là ça fait un petit moment, elle est sortie je sais plus trop quand, c'était au mois de mars je crois, fin mars ou 22 mars, un truc comme ça. Et dès la sortie, je me suis lancé sur un petit serveur Minecraft en 1.9. Et j'ai atterri sur ce serveur-là. Alors du coup, bah évidemment, ça a bien avancé depuis, puis. Bon, comme j'ai pas fait trop de let's play dessus, enfin j'en ai pas fait du tout, sinon vous l'aurez vu, eh ben je vais vous présenter un petit peu le serveur. Alors évidemment, une des nouveautés de la 1.9, ce sont bien les ailes, les Electra ou un truc comme ça, je sais plus exactement le nom. Electra, voilà. Hop, et oui, bon, vous voyez un petit peu l'aperçu de là où ce que j'étais tout à l'heure. Mais ça, j'y reviendrai un peu plus tard. Là, je vais vous emmener directement à l'endroit du spawn. Hop, voilà, une fois atterri. On va remettre notre petite armure. Alors aussi, une autre nouveauté de la 1.9, c'est le mending. Alors je l'ai mis ici. Alors mending, bon, je pense que vous devez tout savoir, mais ça vous permet, enfin, pour ceux qui connaissent, c'est, voilà, vous voyez comment je balance ma hache, ma pioche. Ça permet de réparer les outils ou l'équipement avec de l'XP. Du coup, bah, j'ai pratiquement tout, bah, enfin, j'ai tout mon stuff en mending grâce à la pêche automatisée. Je vous ferai voir ça peut-être dans une vidéo. Et du coup, bah, ça permet de, bah, j'ai pu avoir tout mon stuff en mending du coup. Ma pioche, l'arc, bah, l'arc, je l'ai eu comme ça et une pelle. Bon, j'ai pas tout, mais il y a moyen d'avoir du mending avec les villageois. Bon, ouais, je vais pas faire une vidéo sur ça. Alors, du coup. Le spawn, il est ici. Alors, quand on a commencé sur le serveur, on est tous apparus ici pour la première fois. Bon, depuis, ça a été un petit peu aménagé. Alors, il y a un petit bateau qui traîne, une petite colline derrière. Et après, là-bas, bah, c'est l'océan. Bon, un peu plus loin, normalement, il y a un temple sous l'eau. D'accord, des steaks. Ouais, je rajoute un petit peu. Ça, c'est pour les nouveaux. Donc, oui, j'ai pas fait le ménage dans mon inventaire. C'est un peu le bordel. Donc, nous empruntons le petit chemin. Je vais juste vous faire un petit tour un petit peu près, à peu près de l'endroit où on est plus ou moins tous installés. En face, là-bas, vous pouvez voir ma maison. En haut, bah, j'y reviendrai plus tard. Je vous expliquerai. Ça m'appartient aussi. Mais je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. Ou peut-être à la fin. Ici, nous avons le magnifique bateau de Dixie. C'est le. Non, pas le Sunny. Le tout sanglé. Ouais, bon, One Piece, quoi. Pour ceux qui ont pu reconnaître. Après, bon, ma maison, moi, je m'étais installé ici. Mais du coup, j'ai voulu prendre un endroit un peu plus grand. Bon, c'est une maison au spawn, quoi. Après, d'autres personnes se sont un peu éparpillées. Mais on a pratiquement tous une maison, on spawn au moins. Un peu plus loin, tout à l'heure, on a. Bah tiens, on voit un petit bout là, c'est du château de Kayan. Kayan, c'est le petit monsieur en rose là-haut avec Dixie. Enfin, tous les deux sont. Le serveur leur appartient. Ici, nous avons un moulin à eau. Et en fait, en dessous. Nous avons l'usine Aslai. Je vais vous faire un petit tour vite fait. Comme ça, je vais les récolter. Hop. On va éviter de se casser la gueule. Hop, voilà. Alors, usine Aslai. Alors, du coup, les slimes, ils pop. Ils veulent attaquer les golems. Et puis, au final, ils butent sur les cactus. Très, très pratique comme usine Aslai. Bon, là quelqu'un a dû ramasser, je pense. Bon, il n'y en a pas beaucoup, mais bon, en tout cas, elle produit bien normalement. Du coup, ce serveur-là, il est accessible pour ceux que ça intéresse. Après, bon, il faut être majeur, je vais dire. Que la plupart des gens sont majeurs, la moyenne d'âge doit être dans les alentours de 25 ans, si c'est peut-être pas plus. Il y a quelques jeunes, mais bon, on va dire que c'est des exceptions.
Alors ici, nous avons la maison de Hamdou, maison dit type expérimental, avec de la redstone un peu partout. Voilà, ça rend joli la redstone. Bon, je vais pas trop visiter, je vous ferai voir ça un peu plus tard. Alors, si on suit les chemins, bon, vous voyez, il y a un peu des travaux, c'est un petit peu en travaux un peu partout. Alors ici, c'était là où il y avait les panneaux des annonces qui a été déplacé. Bon, avant, il était comme ça, ensuite, c'est devenu comme ça, et avant même d'être utilisé, bah, ça a été déplacé. Bon, je vous ferai voir où c'est. Là, nous avons le Nether, le portail du Nether, mais je vais pas y aller là tout de suite. Bon, quoique je pourrais aussi le faire vite fait quand même. Voilà, nous avons différentes directions, nord, sud, est, ouest, est. Nous prenons un bateau et nous voguons. Ou nous glissons. Alors, différentes directions, usine Ablaze, Dixie, TP, Temple de l'eau, d'accord. Non, Temple de l'eau. À mon avis, c'est pour aller dans le bateau Dixie. Je pense que ce sera peut-être un des bâtiments, un des premiers bâtiments que je vais faire voir. Et pour ça, bah, on reviendra ici du coup. Alors, là, nous avons les écuries pour poser nos petits chevaux. Voilà. Bah tiens, si j'en prenais un pour me balader avec. Il s'appelle comment lui? Oscourt, d'accord. Et lui, il a un autre. D'accord, sac. On va prendre sac à dos. Bon, allez, hop, on va prendre sac à dos. Et alors. Là, nous avons un four automatisé normalement qui a été fabriqué par Mipadéon. Alors, il est connecté sur serveur, c'est le petit bonhomme en bleu tout en haut. Sa maison, elle est par là-bas. Vous voyez une petite partie de son œil. Alors, je vous dis pas c'est quoi, je vous laisse deviner. Mais j'y reviendrai sur sa maison. Alors, ah oui, tiens, vous faire voir le four. Hop, un truc tout simple, voilà quoi, vous mettez le carburant ici normalement. Là où ça doit être non les ressources que vous voulez hop et puis ça cuit puis ça revient en dessous en fait à vrai dire je sais pas du tout comment ça fonctionne j'ai jamais utilisé ouais non personnellement non jamais utilisé franchement je pourrais pas vous dire comment ça fonctionne par ici ah si je peux vous faire voir là nous avons une petite ferme à canne à sucre. Par ici, encore pas des écuries. Bah, tiens, ils sont où les mêmes. Non, mais il y avait des vaches toutes bizarres là. Bon, bah ici, normalement, c'est le coin des vaches. Ouais. En bas, nous avons une usine à pastèque et à citron. Vous voyez ça bien. À l'intérieur, bah ici, tout simplement, nous avons le virus du Nether. D'accord. Gros bug. Bon, tant pis, tant pis. Je vais pas les replanter. Merde, j'ai fait bon, attendez, je vais quand même essayer de les replanter. Ah merde, oh, je casse tout. Comment je vais faire? Bon, oh, c'est pas grave. Bon, je pense que ça a dû être modifié parce que à la base, c'est moi qui l'avais fait et puis il était pas comme ça. Normalement. Normalement, c'était juste censé pousser et revenir tout simplement. Donc, après, on va voir ça, je sais pas. Ça, parce que, vous voyez, le serveur, quand même, il est bien avancé. Alors là, nous avons un truc pour faire du poulet. Bon, voilà. Là, c'est. Vous prenez votre petit truc, vous mettez là, et puis tac, 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 avec l'eau, ça vous produit. Les coffres sont un peu remplis, mais là, comme il y a du monde sur le serveur, ça tourne. Et j'ai perdu mon sac à dos. Il est où mon sac à dos? Eh, petit sac à dos. Ah, non, ça c'est un mouton, ça c'est pas un sac à dos. Je sais même plus. Non, je t'arrive par ici. D'accord, sac à dos, il n'y a plus.
Alors, comme vous pouvez voir, nous avons des jolis bâtiments et puis pas mal de déco. Et puis ça, c'est notre ami Willow. Il n'est pas connecté, mais dans le tableau des morts à droite en jaune, vous pouvez le voir, Willowell. Il nous fait pas mal de petites décos assez sympas. Alors ça, c'est un arbre que Kayan nous a fait. Normalement, il est en train de nous en faire un peu un autre, on va dire. Et je vous garde la surprise. Oh, un puits, j'avais pas fait gaffe du tout au puits. Oui, par contre. C'est un puits pour les gens, je pense. Ah, il est là, notre sac à dos. D'accord. Bon, on va reprendre notre sac à dos. Alors là, c'est la maison de Willowell. Et ça, son. Ah, tiens, il a fait un petit pont là, la dernière fois. C'est assez sympa, il se débrouille. Assez bien en décor. Alors, je vais vous faire voir. Bon, ce bâtiment, il n'est pas encore fini parce que normalement, dedans, nous avons une usine, enfin une usine à patates, carottes, c'est des villageois qui récoltent et qui nous les donnent. Et d'ailleurs, ça se remplit super bien. D'accord, ça a été un peu compliqué. Je pense normal parce que ça produit super bien. Le stock de bouffe, c'est un truc phénoménal. Bon, mais il manque encore pas mal de décors. Normalement, les villageois balancent et au pire. Pour lui faire une vidéo, mais après je pense que si vous cherchez bien, que vous êtes intéressé, vous devez déjà savoir comment ça fonctionne. Après notre sac à dos, tu reviens. On va passer plutôt par l'entrée. Alors ici, ah, d'accord, j'étais exclu. D'accord, bon, pas droit de voler, mais bon, j'étais pas en train de voler. C'est bien, je trouve toujours d'autres sacs à dos. Donc, nous avons le petit panneau information serveur et annonce personnelle ici. Voilà. Alors, comme vous pouvez voir, nous avons une usine à blaze, une usine à araignée, squelette, slime, gardien, qui est toute récente en plus, patate, poulet, usine à or à venir, usine à lierre, teinture chez Mipadon, et sans doute bien d'autres encore qui traînent. Alors, ici, c'est une maison qui appartenait à Cola. Un Farial Cola en rouge dans le tableau des morts à droite parce qu'il n'est pas connecté, le monsieur. Et en fait, il s'avère qu'il a eu une petite coupure d'internet pendant X temps et nous, on a pris possession de sa maison, tout simplement. Ne le voyant pas revenir, on s'est dit, bah, on va prendre sa maison et puis on va la transformer en shop. Du coup, nous avons différents shops de joueurs. Alors voilà, arc récupéré, d'accord. Alors, popo résistance de feu est égal x4. Alors, on en prend 4 et on a 3 à 2 diamants, si je comprends bien. La x2, 2 diamants. Popo respiration, alors 2, d'accord, il nous fait un prix pour 4 potions, hein, c'est que 3 diamants, d'accord. Bon, chacun a son petit shop, et puis ça que je voulais faire voir essentiellement, c'était à peu près cette carte-là, cette jolie petite carte. Alors vous avez pu voir, on a apparu ici d'ailleurs la carte n'est pas à jour. C'est peut-être ma faute parce que c'est moi qui est propriétaire de cette carte-là normalement. Alors l'original elle doit être bah, justement sur mon île. Parce que en fait je l'utilisais pour pouvoir actualiser. C'est pas actualisé. On va faire toute l'histoire. Du coup, on a pris ce petit chemin là. Nous avons le petit bateau de Dixie. Là la ferme. La ferme expérimentale, non. La maison de Amdoum. Là, bah, nous sommes ici, là, devant la carte. Et nous voyez, comme vous pouvez voir, il y a des constructions un peu partout. Alors, pour le shop, je vais juste faire un petit tour vite fait. Bon, là, j'étais juste derrière. Hop, il y a différents étages, différentes règles pour le shop. Bon, j'ai l'impression d'état, c'est qu'il n'y a personne dedans. Sur le serveur et ça peut être problématique parce que avec la 1.9 nous avons des chevaux squelettes qui pop et quand on s'en approche bah il y a quatre chevaliers de l'apocalypse qui vient nous embêter. Alors là nous avons un joli bâtiment de
Je ne serai même plus son nom, désolé. Je sais pas s'ils sont dessous. Alors là, par contre, nous avons un bâtiment qui est en cours de construction depuis pas mal de temps, le début du serveur même, de The Pringles. Mais elle vient pas de tout le temps. Alors là, la maison de Chardo. Non, ma maison, c'est tout. Ok. C'est assez précis comme maison, comme indication. Ma maison. Alors là-haut. Ah, comme vous voyez là, il y a un. J'ai peur de m'en approcher et que. Oh, alors, c'est bon, si on peut éviter. Il fait nuit, je voulais juste voir un petit peu qui elle appartenait cette maison-là. Héberger, à donner. D'accord, un Ferial Collard. Je crois que, en fait, un Ferial Collard. Mais c'est pas lui qui a construit ceci. Alors là, nous avons d'autres habitations. Les chevaux, ça spawn un peu partout et n'importe comment. C'est ça, entretuez-vous. On ne pourrait être mangé nulle part. Allez, sauvons-nous. Ah, ce joli pont qui a été fait par Kayan, d'ailleurs, tiens, lui aussi. Non, il pop. Alors là, on va chez le vers Giaza, d'accord. Village de Hazer 14. Alors attention, c'est un village particulier. Alors normalement, il y a un petit concours pour construire une maison. D'ailleurs, il va falloir que je le fasse. Ça se finit avant le 10 et puis on peut gagner des ailes, des électrons. Bon, perso, j'en ai déjà. Alors, c'est pas trop mon importance. Voilà, nous arrivons vers le château d'Eiser avec son petit bacon violet. C'est cool. Il veut faire un petit village tout autour et à l'intérieur aussi. Vers les enclos. Alors bon, voilà les enclos, son petit chien. Un petit moulin là-bas. Voilà. Ah, ça prend de la forme avec sa grande, grande fontaine et. Oh waouh! C'est joli, ça je crois c'est un truc de Dixie qui nous a fait ça. C'était pour Halloween. Enfin Halloween non. Qu'est-ce que je raconte, Halloween s'est passé. Pour le 1er avril. Libre. Mais d'ailleurs oui, il va falloir que je consomme la maison. Bon, je vous ferai voir un peu en détail tout ça plus tard. Là c'était. Je voulais juste vous faire voir de loin. Je suis rentré comme ça, mais. Ah j'ai pas eu des chats. Ah, ben, y a des poules. Bon, il y a des chiens, des poules. Il y a tout ça qu'il faut. Vous faire passer vers chez Mipadon parce que je vais aussi vous faire voir la maison de Mipadon. Mipadéon, dis-moi, excusez-moi, mon cher Mipa. Et je voudrais vous faire voir quand même le bateau de Dixie quand même, histoire. Ou quoi que non, je vous ferai une autre vidéo, la visite de chez Dixie, comme ça, une petite vidéo, chaque visite chez chaque personne. Le cavalier, on va éviter de pas trop s'en occuper. Le bug de la 1.9. Alors, normalement, il y a aussi un autre projet qui est en train de se faire sur le serveur, c'est le projet du Colisée. Et le projet du Colisée, bah, en fait, c'est par ce tunnel là-bas qui se fait. Et ça, c'est pareil, je vous ferai voir dans une autre vidéo aussi, pareil. Là, c'est essentiellement pour vous présenter un petit peu le serveur, faire une visite. Tout à l'heure, j'étais passé par là, mais j'aurais peut-être pu vous faire voir directement un petit peu de loin déjà la maison de Mipadéon. Qui est tout simplement ici. Voilà. Alors là-bas, il nous a fait un joli pixel art, on va dire, pour l'usine à zombies. Par ici, nous avons je ne sais plus quoi. Et franchement, depuis l'ouverture du serveur, il y a beaucoup.
beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs. Alors là, ne me posez pas la question, je sais pas du tout qu'est-ce que c'est ça. Une usine pour balader un bloc, non, franchement, aucune idée. Non, non, alors on va éviter de tomber dedans. Alors par là, nous avons des jolies constructions, une belle, un beau manoir. C'est le manoir de Elinde. Et ah ben, j'ai perdu son nom. Elendia. Elendia. Bon bah en tout cas vous le verrez si jamais il meurt. On le verra bien dans le tableau des scores. Alors là, le fameux château. Château ou maison du japonais de Kaga. Voilà, boîte aux lettres. Et de face le Toussang. Cassé, joli. Ah, putain, franchement, on dirait un smile de Sonic. C'est juste. C'est trop magnifique comme ça. Et puis, ah, ça, l'œil fait que la larme. Un petit clin d'œil de Dexy pour le 1er avril aussi. Bon, là, la vidéo, là, elle dépassait déjà les 20 minutes. Je pense que je vais stopper. Je pense avoir fait le tour du serveur déjà, là. Une grosse partie. Ma maison, je vous la ferai voir au prochain épisode ou dans un autre épisode déjà. On va aller ramener notre petit sac à dos dans les écuries. Et bah, sur cette vidéo-là, je vous dis à la prochaine. Allez, bye!